Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, par ça va nickel. C'est Lily Rodrigue. Et aujourd'hui, on se rejoint pour une toute nouvelle vidéo, les amis, sur Minecraft 1.21, l'épisode 2. Voilà, qu'on normalement, nous allons dans les mines, comme je vous ai prévenu dans l'épisode 1. Donc voilà. Donc ça me fait vraiment plaisir, les amis, parce que vous étiez nombreux à voir l'épisode, le premier épisode. Donc voilà, c'est parti là. On va direct dans le monde après le générique. Ok là les gars, du coup, nous sommes dans le monde, let's go. Et ouais, nous avons prévu d'aller dans les mines, ça c'est vrai. Donc là, premier truc à faire les amis, se looter en termes de nourriture. Oh, il y a déjà, le golem qui est en train de se faire pilonner, je sais pas pourquoi. Oh, je sais pas ce qui a explosé là-bas, mais en tout cas, il y a un creeper qui a bien explosé. Bon bref, ce que je disais les amis, nous allons se looter en termes de bouffe. Donc là les gars, je mets tout à cuire comme le bœuf. Et après, le porc, je mets à cuire aussi. Donc, toute la bouche, je mets à cuire. On va essayer de se faire pas mal de outils en fer. Comme quoi, la pioche en fer. L'épée en fer. Et tac, l'épée en fer. La pioche en fer, nickel. Là, on en remplace tout. Voilà. Et puis, voilà. Et je pense qu'on va se faire un petit coffre. Je pense que dans l'épisode 3, on va se faire littéralement une maison. Et une salle des coffres aussi, parce que je vous dis, les amis... À chaque fois que j'ai des maisons, je mets des salles de coffres. Je mets des coffres dedans. Et ouais, vous voyez que l'inventaire, c'est vraiment le truc sur Minecraft qui vous prend beaucoup de place. Bon les gars, là ça va partir en expédition. Taper quelques petites vaches, moutons, porcs, je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça va bien se looter aujourd'hui. Tac. Non. Et je pense, les gars, je vais faire ma première ferme. Ce sera radical, ce sera la ferme à bœuf cuit direct. En gros, je vous montrerai peut-être dans le troisième épisode. Je pense que ce sera dans le troisième épisode parce que si on galère à avoir de la bouffe comme ça. Donc voilà. Donc, les gars, ce sera tout juste une ferme qui va nous faire reproduire plus de vaches pour en avoir plus de bœuf cuit direct. On n'aura même pas besoin à cuire notre propre bœuf. Voilà. Ok, voilà, tac. Les gars, j'en profite pour vous dire, c'était bien le fumoir, voilà, qu'il fallait faire. Donc, hop, là, le fumoir, ça va nous servir pour cette survie, là. Ouf, voilà. Donc, j'ai plus beaucoup de charbon. Ouais, on va s'en prendre la moitié juste ici, tac. 23 de bœuf, c'est vraiment pas mal, tac. On va se prendre l'intégralité juste ici. Ça nous fait patienter le temps que la bouffe cuise. Ah, attendez, je dis question de sécurité, mais en fait c'est question de protection, je suis désolé les gars. Tac, le fer, on va le faire cuire. Ouais, c'est pas mal, oh, on sera vraiment pas mal les amis. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour faire un petit saut, voilà. Voilà, nous avons toute la bouffe, tout le fer, nickel. Donc je pense qu'on peut se faire déjà les armures en fer. Donc le casque, le plastron, les jambières et les chaussures. Donc voilà, c'est prêt. Nous sommes équipés pour aller dans les mines. Voilà, nous sommes équipés. Voilà. Oh, ça nous a pas pris longtemps à trouver ça, mais bon, quand même, c'est assez agaçant. Ok, ça touche en bas, tac. MLG. C'est vrai que les amis, j'ai apporté à portée du fer, mais pas du bois. Donc à tout moment, si j'ai une pioche qui éclate, bah j'ai pas de bois pour faire une pioche. Voilà, et c'est emporté par l'eau. Oh les gars, aussi j'ai pas pensé. Une usine à creeper pour les élytres aussi, ça va être une dinguerie ça. Ah qu'est-ce que... Bon. C'est bien, mais ça rapporte trop de temps à construire, donc... mais bon. Vaut mieux faire ce qu'on veut absolument que ne pas avoir. Et être déçu. Voilà, lapis azul. Le lapis qui rapporte pas mal d'XP aussi. Bon les amis, je vais être froid avec vous. J'ai mis des potions vision nocturne.
en créatif, mais sinon je reviens en survie. Parce que j'ai pas les options comme les vrais youtubeurs en Java qui peuvent voir dans le noir. Et moi je ne peux pas. Donc je mets juste en vif comme ça. Et voilà. Comme ça, ça permet d'aller plus vite. Et que vous voyez mieux. Voilà, parce que sinon bah c'est un peu chiant que vous voyez pas ce que je fais dans mes vidéos. Donc voilà. Donc voilà les gars. Vous voyez, c'est bien plus agréable de voir comme ça. Après c'est un peu plus agréable pour vous aussi. Il n'y a pas que pour moi, parce que moi je peux bien faire ma survie tranquille sans ça, mais bon, c'est plutôt pour vous. Et je fais ça. Ok, là il y a quand même. On va bien plus vite parce que regardez-moi ce nombre de zombies qui est juste ici, c'est incroyable, c'est... Wow. Oh, il y a un petit filon diamant qui est juste au loin là-bas. Je sais pas si vous voyez. Mais en tout cas, je les vois bien moi. Voilà, j'attendais plus que ça parce que ça commence vraiment à m'énerver sérieusement. Et là les amis, je vois le premier filon de fer qui est juste là-bas au loin. Je sais pas si vous voyez, mais moi je les vois bien. C'est parti. Oh, temple à Warden. Non, il y a un truc de Warden juste ici. Oh, et le petit diamant qui est aussi juste ici là. Premier petit diamant les amis, incroyable. Là, nous avons le lapis, la redstone, le fer, l'or et le diamant. Donc on est vraiment pas mal. Là sur ce coup, on a tout ce qu'il nous faut. Regardez-moi ça les amis, il y a juste un truc à Warden juste ici, c'est incroyable. Posez-moi un épisode pour qu'on aille le battre, vous allez voir. Là c'est dingue. Mais bon. Faut déjà être équipé, full stuff là. Donc on va pas être trop vite. Ah, j'ai plus de pioches, donc ça va être catastrophique. À moins qu'on tombe sur un mineshaft, mais bon. Ça va être un peu dur. Bon les gars, après avoir fait quelques petites dizaines de kilomètres, vous voyez, j'ai creusé au-dessus de moi pour aller rejoindre la maison, juste pour miner un peu de dizaines de bois et faire un établi, voilà, pour aller dans les mines. Donc, comment vous dire, c'est quand même assez chiant, voilà. On va pas se le cacher, donc, tac, on va se faire nos planches de bois. On est vraiment pas mal là. Hein. Tac. La petite pioche en... Oh, il y a du diamant juste ici. Nickel, les amis. Putain, là, on est vraiment incroyable. On va se récupérer aussi nos petits diamants qui est juste là-bas. Qui s'attendent bien sagement. Oh, mais regardez-moi ces filons de diamants qui sont en bas aussi. Mais non, mais les amis, c'est quoi ça? C'est ma première fois que je...
couvre autant de diamants comme ça, là. Attendez, tac. J'espère qu'il n'y en a pas en dessous, parce que là, c'est déjà la première fois que je... C'est bien la première fois que je dis que j'espère qu'il n'y en a pas en dessous, mais bon. C'est un peu chiant, et encore, j'en ai encore deux à choper dans l'autre. Enfin, ça met du temps à miner, et... C'est que, bah, on risque de mourir, quoi. Non, il y a encore un diamant juste ici. Ok, nickel. Je regarde même pas ailleurs. C'est quand même un peu saoulant. Donc, il y a encore là, juste ici, deux filons. Ok, pile poil, tac. Ouais, je préfère le miner au-dessus, moi. Au-dessus de l'eau. Et puis voilà. Donc, en vrai, les amis, nous sommes vraiment pas mal. Je pense qu'on pourra se quitter pour ce... Pour cette vidéo, voilà, on pourra continuer dans le troisième épisode, puis remonter à la surface pour se faire direct la maison et la farm à vache. Bah, enfin, pour aller plus vite. Enfin, j'espère si on aura le temps et tout. Et puis, c'était Lélé Rodrigues. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, commenter et partager. Et surtout, bombarder la barre de like. Voilà, c'était Lélé Rodrigues. On se dit à la prochaine. Allez, tchou!